Deux jours durant, ces jeunes Gabonais engagés en faveur de la lutte contre les changements climatiques sont sensibilisés aux enjeux de la biodiversité et des changements climatiques. J'ai pris conscience là de l'importance de nos forêts, non seulement parce qu'elles se tournent vers le cadre environnemental et sur le plan économique par cette capacité qu'elle a à créer de la valeur. On a besoin de la jeunesse qui va là acquérir les formations que nous sommes en train d'apprendre ici aujourd'hui pour pouvoir à leur tour exploiter cette forêt-là dans les normes, pour ne pas non plus déforester et perdre tout le crédit carbone du Gabon. Axée sur la conservation des paysages forestiers, cette formation aborde des questions essentielles telles que la vulnérabilité de ces paysages et la gestion durable des forêts. Sur le plan environnemental, nous savons que les forêts jouent un rôle très important dans la lutte contre les changements climatiques. Et dans le contexte du Gabon, nous savons que pour ces jeunes, la forêt représente une source de création d'emplois. Donc il est important de donner ces jeunes des outils nécessaires pour qu'ils puissent être des jeunes engagés sur le plan climatique, mais aussi engagés dans la création d'entreprises et dans le développement de l'économie verte. Le projet GF7 intitulé Transformer la gouvernance des paysages forestiers du corridor Baogwe-Bas-Nyonga vise à soutenir les efforts des pays du bassin du Congo à gérer durablement leurs paysages forestiers. Vous savez, le Gabon a lui seul à 88%, sinon plus, de forêts. Donc la question de la gouvernance locale, la question de la gouvernance même du paysage se pose. Et donc à travers ce projet, on vise un objectif d'accompagner le pays à pouvoir développer les bonnes pratiques en matière de gestion durable, en matière de gouvernance locale du programme, des paysages, des forêts qui sont affectées, de la surveillance environnementale qui sera inclusive en impliquant toutes les parties prenantes, tous les bénéficiaires. Durant cette formation, les jeunes considérés comme des catalyseurs du changement climatique pourront approfondir leurs connaissances sur les défis environnementaux actuels.